Pasteur du troupeau et chef des apôtres, tu détiens les clés du royaume des cieux. Pasteur du troupeau et chef des apôtres, tu détiens les clés du royaume des cieux. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Pasteur du troupeau et chef des apôtres, tu détiens les clés du royaume des cieux. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour être saint et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Pasteur du troupeau et chef des apôtres, tu détiens les clés du royaume des cieux. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. Pasteur du troupeau et chef des apôtres, tu détiens les clés du royaume des cieux. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Pasteur du troupeau et chef des apôtres, tu détiens les clés du royaume des cieux. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Pasteur du troupeau et chef des apôtres, tu détiens les clés du royaume des cieux. De la première épître aux Corinthiens. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures,
et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Bénis soient les apôtres Pierre et Paul, ils nous ont transmis la loi du Seigneur. En la fête des apôtres Pierre et Paul, les colonnes de l'Église, nous te prions, Jésus, Fils de Dieu. Sois avec ton peuple, Seigneur. Sois avec ton peuple, Seigneur. Tu as fait de Simon le pécheur un pécheur d'hommes. Envoie de nouveaux apôtres pour que la multitude entende la parole. Sois avec ton peuple, Seigneur. Sur le lac, tu as commandé au vent pour que la barque des disciples ne sombre pas. Garde ton Église au milieu des tempêtes et donne ta force à ceux qui la conduisent. Sois avec ton peuple, Seigneur. Après ta résurrection, tu as rassemblé les disciples autour de Pierre. Toi, le bon pasteur, rassemble ton peuple en un seul troupeau. Sois avec ton peuple, Seigneur. Tu as envoyé ton apôtre Paul annoncer l'Évangile aux païens. Fais que ta parole parvienne à toute créature.
Sois avec ton peuple, Seigneur. Tu as remis à ton Église les clés du royaume. Ouvre les portes du ciel à tous les hommes qui ont cru à ta tendresse. Sois avec ton peuple, Seigneur. Notre Père, Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.